7 jours de campagne acharnée et une soirée riche en suspense. À Millau, ce deuxième tour s'annonçait serré. Pour le candidat de l'UMP, Christophe Saint-Pierre, arrivé en tête dimanche dernier, la victoire s'est jouée à 189 voix d'écart. La semaine a été dure, le résultat est serré, mais la victoire est là, nous allons la savourer et nous allons nous mettre au travail le plus rapidement possible. Parce que les Miavoises et les Miavois ne se sont pas trompés, ils nous ont fait confiance à la fois sur notre liste et sur notre projet. Et on va mettre tout ça en œuvre dès que possible. Voilà. Christophe Saint-Pierre fait donc basculer la ville avec 36,6% des voix. Une victoire malgré l'absence d'alliance à droite et à l'issue d'une triangulaire qui laissait tout entrevoir. Derrière lui, Guy Durand, maire PS sortant, totalise 34,9% des suffrages. Pas assez pour décrocher le second mandat espéré. Je crois que je suis parmi les dizaines et les dizaines de maires qui dégringolent cette fois-ci. Bon, voilà, c'est la règle du jeu politique. J'avais été porté par une vague rose, je suis emporté par une vague bleue. Il n'y a rien de tout à fait exceptionnel. Hein. J'aurais aimé résister, c'est pas très loin, puisque dans cette triangulaire, je perds de très peu, mais je perds, donc je respecte le jeu démocratique. La liste du centre droit Philippe Ramondinc arrive quant à elle en troisième position et obtient 28,4% des voix. Enfin, pour le nouveau maire de Millau, Christophe Saint-Pierre, le travail commence. La date du premier conseil municipal est déjà fixée à samedi matin prochain.